Laissez ce serpent dans le Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le-lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan? Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjotve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kjotve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix. Et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons au dieu la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin.
Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kyotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle ? Qu'Eivor puisse défier Kyotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Kyotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kyotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld, et tranchera le fil du destin de Kyotve. Bien dit, mon Skald guerrier à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Vazim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre, et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange, car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kyotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains ? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kyotve s'étend si loin de la Norvège ? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival du nôtre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ce qu'on ne voit pas, mais Kyotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kyotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Reviens, Kyotve, et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Demande à Ulgang, ici, contre le briseur de serments. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es aussi faible que ton avorton de père. Cool!
ton sang. Mes loups vont te dévorer. Sans honneur, ami des loups. Tu es bien le fils de ton père. Debout, Eivor. Éveille-toi. Oda ? Que veux-tu de moi ? Tu as gagné ta récompense, ami des loups, la gloire de ma mort. C'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire
Le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non. Mon clan ne sera pas oublié. J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, ami des loups! Archer! Encochez! Corbeau! Pas de pitié! Archer! Tirez! Épuisé, les tigres. Frappé comme ça. Regardez-moi.
Aveugle de la vengeance t'a rendu prévisible. Tu n'es que l'ombre de ton père, Gorm, faible et stupide. Et tu quitteras ce lieu comme la cendre soufflée par le vent. Ce lâche de Gorm s'enfuit. Par deux fois son père meurt aujourd'hui.